Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ces faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Michel Thomy, alias le parrain des parrains? Michel Thomy, c'est des condamnations pour blanchiment d'argent, trafic d'influence et financement illégal. Un empire des jeux en Afrique francophone, un des derniers parrains traditionnels corse. Retour sur l'histoire de Michel Thomy, parrain des parrains. Michel Thomy est né à Alger en 1947. D'origine corse, il grandit à Tasso, un village situé dans le sud de l'île de Beauté. Son père est commissaire de police. Studieux, Thomy obtient un bac de maths. À 20 ans, il commence par travailler en tant que croupier dans des casinos monégasques dirigés par le crime organisé corse. En 1968, il intègre l'un des cercles de jeux parisiens contrôlés par les Franceschi, les empereurs des jeux de l'époque. Ils initient Thomy aux affaires. Promu directeur du cercle Opéra en 1973, il devient un an plus tard chef de partie au Casino Roule à Nice. L'établissement est géré par Jean-Dominique Frantoni, dit le Napoléon des tapis verts, un homme étroitement lié à la mafia corse. Suite à ses expériences, où il a appris toutes les ficelles du monde des jeux, Thomy décide de se rendre à l'étranger. En 1976, à son retour en France, il souhaite prendre en gestion le casino de Bandol dans le Var. Son frère, Jean Thomy, en est le principal actionnaire. Mais la justice s'y oppose et le lui interdit formellement. Ce refus intervient alors qu'une enquête visant l'établissement est ouverte. Le casino ferme ses portes en 1988. Poursuivi en tant que gérant de fées, Thomy est incarcéré en 1989 pendant plusieurs mois. L'affaire trouvera son dénouement en 1996. Il sera prouvé qu'une grosse partie de l'argent produit par le casino était ensuite reversé à des poids lourds du milieu mafieux corse. Michel Thomy est de nouveau condamné. Cette fois, il écope d'une amende pour détournement de fonds. Mais Thomy ne se laisse pas abattre. Son envie de devenir empereur des jeux, comme ses mentors, reste intacte. En 1990, à sa sortie de prison, il parvient à rebondir en s'associant à un autre Corse, Robert Felicciaghi, dit Bob l'Africain. Proche du président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, il dispose d'un réseau important en Afrique francophone. Thomy souhaite mettre à profit ce réseau avec une idée innovante, implanter le PMU en Afrique francophone. En 1989, les deux hommes achètent leur première loterie au Congo. Cette première expérience ne se déroule pas comme prévu et les deux hommes perdent beaucoup d'argent. Mais ils refusent d'abandonner. En 1990, ils suivent la première intuition de Thomy et ouvrent un PMU au Sénégal. Le succès est immédiat. Ils développent ensuite leur business dans des pays comme le Cameroun, le Gabon ou encore le Tchad. Les affaires marchent bien et ils font très rapidement fortune. Le 20 avril 1994, Thomy et son compère acquièrent l'autorisation d'exploitation du casino d'Annemasse, en Haute-Savoie. Après plusieurs années de refus pour plusieurs établissements de la part de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques, cette fois, c'est le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, qui fait pencher la balance de leur côté. Il agit à l'encontre de l'avis des autorités administratives et policières qui doutent de la provenance des fonds de Thomy et Felicciaghi. En juin 1994, les deux hommes corses commencent à organiser la revente du casino. L'opération se concrétise en mars 1995. Elle permet à Thomy et Felicciaghi de réaliser une plus-value d'environ 100 millions de francs, soit 15 millions d'euros. Cette affaire est en réalité un pacte de corruption. En échange de l'autorisation d'acquisition du casino d'Annemasse, Thomy et Felicciaghi s'engagent à financer la campagne européenne du RPF en 1999, un parti dirigé par Charles Pasqua. C'est par l'intermédiaire de Marthe Mondoloni, fille de Thomy et gérante du PM gabonais,
que le RPF reçoit 7,5 millions de francs, soit plus d'un million d'euros. Pour éviter d'être inquiété, Tommy ferme tous ses comptes bancaires en France. Il met à l'abri ses finances en Afrique et dans les paradis fiscaux. Depuis le début des années 2000, Tommy réside sur le continent africain, au Maroc, au Gabon et au Mali. Il vient régulièrement à Paris et à Marseille. En 2007, il est le dirigeant des principaux établissements de jeux de l'Afrique de l'Ouest. Son groupe, Kabi, s'étend géographiquement et s'enrichit sur d'autres activités comme l'hôtellerie, le BTP et l'immobilier. Michel Tommy entretient des liens amicaux avec beaucoup de dirigeants africains, comme Omar Bongo au Gabon ou Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Des amitiés qui lui permettent d'étendre son pouvoir en Afrique de l'Ouest. Il est alors à la tête d'un immense empire de jeux dans tout ce secteur. En 2007, la mise sur écoute de son téléphone dans l'enquête sur l'assassinat en mars 2006 de son ami Robert Felicciaghi permet à la justice de lever une partie du voile sur ses activités. Dans l'affaire du casino d'Annemasse, il est condamné à 6 mois de prison avec sursis, ainsi qu'une amende de 500 000 euros. Cette enquête révèle que Tommy entretient depuis des années des liens avec des criminels corses. Parmi eux, on trouve Richard Casanova, le chef du gang de la Brise de Mer. Tommy le considère comme son fils, mais nie avoir déjà fait affaire avec lui. Une thèse qui se confirme quelques années plus tard pourtant. En 2011, Tommy reconnaît fournir de l'argent à Jean-Luc Germani, l'hébergé au Gabon. L'homme, membre du gang de la Brise de Mer, est alors activement recherché par la police. En mars 2013, désormais en fauteuil car victime d'une sclérose en plaques, le parrain des parrains est rattrapé par la justice. Dans l'affaire de blanchiment d'argent suite à la vente du casino d'Annemasse en 1995. Tommy est condamné à 18 mois de prison avec sursis, assorti d'une nouvelle amende de 500 000 euros. Il est mis en examen le 20 juin 2014 pour corruption d'agents publics étrangers, faux et usage de faux, abus de confiance et autres délits. La justice s'interroge notamment sur un certain nombre de cadeaux qu'il a fait au président Ibrahim Boubacar Keïta avant même et après son élection. Les moyens de cette corruption, des vêtements de marque, des séjours dans des hôtels de luxe, mais aussi des frais d'hospitalisation. Tommy a dû payer une caution de 2 millions d'euros pour sortir de prison avant d'être soumis à un contrôle judiciaire. Quand il veut quitter la France, il doit informer les juges et obtenir leur aval. Mais cela ne l'empêche pas de se rendre régulièrement au Gabon. Fin 2018, c'est le dernier procès de Michel Tommy. Il plaide coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux devant la justice. Il reconnaît avoir touché illégalement une commission de 1,6 million d'euros sur la vente de bateaux de surveillance pour l'État du Gabon, lui évite finalement un procès en bonne et due forme, et le parrain des parrains s'en sort avec une condamnation à un an de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende. RF Inside, c'est désormais tous les samedis à 18h sur YouTube et un site internet lfinside.com avec des vidéos en avant-première et des surprises à venir très prochainement.